fans, I can say one thing, is that, like I said, we've been fighting around the world for 5 years since we've come to this country. And I can tell you personally from my heart that the most excited that we've ever been to fight in any place has been in Montreal. The fans here, for some particular reason, I don't know why, but it is what it is, they have a passion for boxing. And in North America, I rate them number one as far as fans. We're privileged and honored to fight in front of the fans of Montreal, put on the show, and give them the respect that they deserve. Good morning, everybody. Everything that I wanted to say, Steve said it. I'm just going to keep it short. Respect for Vita, thank you for the opportunity. Interpol, into boxing, right? Into boxing, losing Tudor and Warriors, April 17, you know, you've been training very hard for the past 6 months. Miranda's a new fighter now. But April 17, we're going to be able to show everything with Butin. Great champion. That's all I got to say. Keep it short. Thank you. Every day throughout, I think, the world of boxing, his credibility is just going up. And he's proven it to the champions and the boxers that he has worked with. Accueillons Stéphane Lamouche. Merci beaucoup, Roger. Alors, c'est une conférence qui est très civilisée. Mr. Funes, Mr. Bensata, Mr. Miranda, it's a pleasure having you guys here. And as you will see, April 17, you will see the house explode with the intensity and everything. So you're right, I think that it's probably one of the best plays of boxing in Canada, and for sure in Canada, and probably also one of the five best places in the world. There's not too many places where you can pack a house within a few days selling tickets. En termes de préparation, on est très très content que Lucien puisse se battre à Montréal. Il ne s'est pas battu ici depuis mars l'an dernier. He hasn't fought here since March last year. So it's a pleasure for Lucien to be back in Montreal. Il y avait plein de doutes avant son combat contre Andrade. Je pense que les doutes ont été dissipés. Pour ce combat-là, on quitte lundi, encore une fois, pour la Floride. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est plus facile de bien s'entraîner là-bas. Puis la deuxième, c'est que c'est plus le fun là-bas. Donc, c'est clair qu'on va aller là-bas. On sait qu'on se bat avec un gars qui est très dangereux. Vous savez, l'affaire la plus dangereuse dans la boxe, the most dangerous thing in boxing is power. And this is what Miranda will bring on the table. He has tremendous power. This guy can close the light with every single punch at any moment of the fight. And by the way, I want to congratulate him. Edison Miranda is the first guy who ever really won a fight in Germany and lost it. You point out what our mama? Il y a Naoki Abraham, il a cassé la mâchoire, ils ont réussi à arrêter le combat pendant 5 minutes et ils ont continué à boxer. Il y a juste un endroit dans le monde où tu peux faire ça. There's only one place in the world that you can do that, it's in Germany. Stop a fight for 5 minutes and keep fighting. And win. The best way to win in Germany is being German. Or fight for the German. Alors tout ça pour vous dire que ça va bien aller, nous, le chien, on quitte lundi. On a encore une fois des bons partenaires d'entraînement avec nous en Floride. On va avoir une super préparation. On est de retour ici à Montréal le 10 avril. Ça va bien se passer. Lucien est un peu meilleur qu'il l'était avant de se battre contre Andrade. Il n'a pas perdu grand-chose. Une semaine après le combat contre Andrade, il était déjà dans le gym. Il est dans le gym déjà depuis un mois et demi. Il fait beaucoup, beaucoup d'entraînement. Il est très sérieux. C'est un gars qui est très ambitieux. Il a un objectif, c'est de rester champion le plus longtemps possible. Il veut aller au Hall of Fame. Puis il va faire rien. Il va tout faire pour aller là. Il n'y a rien qui va l'empêcher de se rendre au Hall of Fame. J'en suis convaincu et fier de travailler avec lui. Et merci au groupe GEG, merci au Canadien de Montréal de nous donner aussi l'opportunité. Thanks for everybody being here, all the media. Thank you very much and we'll see you soon. Thank you. De la IBF chez les super moyens. IBF, number 9 contender. Accueillons Edison Miranda.
translate for Miranda. Primero, dale muchas gracias al Dios Todopoderoso. First, we want to thank God for everything. Él es el merecedor de la gloria y la honra. He wants to give glory and honor to God. Yo le preguntaba a un amigo hace como unos 8 meses. He asked a friend 8 months ago. Yo he ido a Canadá. He says, I've been to Canada. Vine aquí a Montreal a una pelea de Jean Pascal. He came to see Jean Pascal here in Montreal. Y canadiense porque Jean Pascal, Lucenbuten. He says that he likes the Canadians because Pascal and Lucenbuten. No son canadienses. They're not Canadians. Y yo sé que ustedes los aman. And you guys love them. Siento un gran respeto por Lucenbuten. He says he has a great respect for Lucenbuten. Que mis palabras se quedan cortas. That his words will be very short. Cuando vi la primera pelea con el Libra Andrade. He says when he saw the first fight with him and Libra Andrade. Lucenbuten se robó mi corazón. He says Lucenbuten robbed his heart. Yo admiro a las personas como él. He says he admires fighters like Buten. Y he estado pidiendo mucho a Dios que lo bendiga, que lo proteja. He's been asking God to bless him and protect him. Porque es un hombre que se merece muchas bendiciones. Because he's a person that deserves a lot of blessings. Yo vengo a pelear. Because I come here to fight. Vengo a ganar. I come to win. Pero no tengo nada contra Lucenbuten. He says, but I don't have nothing against Lucenbuten. Yo creo que lo más importante es los fanáticos. He says, the most important things are the fans. Yo voy a prepararme bien. He says, I'm going to prepare myself. Vengo a dar guerra. I come to give war. Arriba del ring. Up in the ring. Que eso es lo mío, pelear arriba del ring, y saben que tengo que ser agresivo arriba del ring. That's what I do up in the ring, I come here to be aggressive and fight. Después que me baje del ring, but when I get out the ring, mucho respeto por Lucenbuten, and much respect for Lucenbuten, mucho respeto por los canadienses, and a lot of respect for the Canadians. Un caso dado, one case, trainer, su equipo de trabajo, teammate, muchas gracias, thank you very much, Dios bendiga a Canadá por siempre, and God bless Canadians. Y no importa el resultado, quiero volver aquí. It doesn't matter the results, we want to come back to Canada. Muchas gracias. Thank you very much. HBO. IBF, Super Middleweight Champion of the World. Le champion du monde IBF, chez les super moyens. Lucien Boutet. Merci Roger. Bonjour tout le monde. Merci toutes les médias d'être ici, d'être présents à cette conférence de presse. Merci, thank you Miranda et Son Miranda. Ça fait plus qu'un an depuis que j'attends de retourner à Montréal, de retourner chez moi. Parce que ici au Centre Bell, je me sens comme chez moi. Je trouve que c'est ma place. Et j'ai hâte pour le 17 avril de boxer devant mes fans. Puis on sait tout le monde que Edson Miranda est un bon coyote, un bon boxeur, très agressif. Il a boxé avec les meilleurs au monde, même s'il a perdu, il a perdu de façon vraiment bien. Mais je suis vraiment content que le combat ça va être ici à Montréal. Comme Stéphane a mentionné, on va partir, on va quitter Québec lundi. On va partir en Floride pour un camp d'entraînement de 2 mois. On va répéter comme on a fait la dernière combat avec Andrade. On se sent si bien, on a bien travaillé. Je suis bien concentré là-bas, juste concentré pour la boxe. Et je me sens bien. J'ai déjà commencé l'entraînement depuis un mois et demi. Et je me sens bien, je suis en bonne santé. C'est sûr que le 17, ça va être un bon spectacle. Et comme je dis, à Québec, le Colisée va exploser. Le samedi 17 avril, c'est le Centre Bell qui va exploser cette fois-ci. Je suis vraiment content. Et j'ai hâte de boxer. En plus, je suis content aussi parce que HBO va être ici. Quand je suis arrivé au Canada, c'était mon rêve de devenir champion du monde. Après 4 ans, j'ai réalisé ça. Je suis devenu champion du monde. Puis après, j'ai parlé avec M. Jean Bédard et Stéphane. On a dit que notre prochain rêve, c'est de chercher la raison américaine. Puis HBO va être ici.
sont venus une fois au Québec pour venir le visiter ici, Showtime aussi. On a cherché et on l'a trouvé. On est ici, je suis content que HBO va être ici pour diffuser ce combat-là. Et je vous attends, je vous dis un gros merci à tous. Et je vous attends le 17 avril en grand nombre parce que j'ai besoin de votre support. Je suis content de bosser devant mes fans. Merci beaucoup à tous. That's some pretty eyes, he says.